Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Sports, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, distinguée famille éplorée de Jules-François Bokandé, mes chers compatriotes, jeunesse de mon pays, vaillants membres du comité Allez Casa, mesdames et messieurs du monde sportif, peuple du Sénégal, nous voici ensemble cet après-midi étreint par une douleur inconsolable pour rendre un hommage mérité à un lion, un digne fils du Sénégal. Rendre hommage à un héros de notre histoire sportive, un homme bon et courageux selon tous les témoignages. Nous voici ensemble dans la pure tradition des souffrances partagées, des peines endurées et des espérances portées pour honorer la mémoire d'un des plus grands sportifs de toute l'histoire du Sénégal. Il a écrit de belles pages, mémorables et inoubliables, pour la dignité des Lions du Sénégal, pour les immenses foules d'amateurs du Casa Sport, de Tournai, de Serein, de Metz, du Paris Saint-Germain, de Nice, de Lens. Gloire à cet enfant prodige qui effectue le retour au pays natal dans la paix et mort. Gloire à Jules-François Bertrand Bokandé. Nous garderons éternellement le souvenir de ces fulgurances. Ce 1er septembre 1985, vous l'avez rappelé, Laïdiao, lorsque, face au redoutable Zimbabwe, il s'introduisait avec l'art du champion déterminé dans les enclos de l'adversaire pour signer les buts de la victoire et faire vibrer dans la ferveur et l'enthousiasme tout un peuple. Nous garderons éternellement le souvenir de sa puissance face à l'adversaire, de sa ténacité vers la victoire, lorsque, en cette année 1986, il fut consacré meilleur buteur du championnat français de football. Nous garderons éternellement le souvenir d'un Bokandé qui, au mépris de ses intérêts personnels, provoqua volontairement son expulsion de la pelouse de Metz pour répondre, tel un soldat, à l'appel de la patrie. Alors, sur le chemin du Caire, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, Caire 86, si un tel homme n'est pas un héros, qu'est-ce alors un héros? Gloire à Fanfon, gloire à Essamay, comme vous l'appeliez, vous, fidèle et infatigable membre du comité Allez Casa, Jules-François Bertrand, tu mérites bien les hommages de la nation dans sa diversité. Tu mérites bien d'être cité en exemple
pour les jeunes de notre pays et de l'Afrique, pour ton patriotisme, ton engagement désintéressé, ton sens de la responsabilité lorsqu'il s'agit de défendre les couleurs nationales, de défendre l'intérêt du Sénégal. La nation sénégalaise, sa jeunesse en particulier, et le monde sportif te seront éternellement reconnaissants. Et ce soir, dans l'unité et la solidarité, si nécessaire, lorsqu'une communauté pleure en un, prions ensemble afin que Dieu, dans son immense bonté, réserve à Jules François Bertrand Bokandé une place de choix dans ses jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Je me tourne vers vous, Madame Veuve Bokandé, vers vous, enfants de Jules François, vers vous, frères et sœurs, membres de la grande famille Bokandé, pour vous dire ma compassion, vous exprimer mes condoléances les plus sincères au nom de la nation sénégalaise tout entière. Je sais que Jules n'est plus là, mais je sais aussi que vous ne serez jamais seul, car Jules François Bokandé a déjà touché au regard de la levée solidaire et unanime du peuple sénégalais autour de lui l'instant sublime de la postérité. Au Casa Sport, au comité Allez Casa, au monde sportif et à toute la jeunesse du Sénégal, j'exprime mes condoléances ainsi que celles de la nation sénégalaise. La vie est hélas toujours ainsi faite. Mais à ceux qui vivent utilement pour leur famille et pour leur nation, est offerte la promesse d'éternité, car ils auront, comme Jules François Bertrand Bokandé, traversé la vie comme un animal de luxe. Je vous remercie de votre aimable attention. S'achever. Un dernier hommage et le chef de l'État qui s'avance encore vers la dépouille mortelle de Jules François Bokandé pour s'incliner à nouveau. Une dépouille recouverte donc du drapeau national, symbole de la nation. Dernière note d'une après-midi de retrouvailles, de recueillement et de prière ici au stade d'Embayo. Bien pendant 1h30, la carrière de l'homme a été revisitée.